Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. Et on va prendre tout de suite là où on était rendu, donc là avec la fille président russe. Normalement. Makarov sait que la fille de Vorchevsky est à Berlin. Si ces hommes la trouvent, le président finira par leur donner les codes de lancement. On connaît sa position exacte ? Triangulation. L'ISA vient d'intercepter un appel passé de son portable. Liaison établie dans 3, 2, 1... Alena Vorchevsky. Kudrota. Force spéciale américaine. Mes gardes ont été tués, ils vont me trouver. Du calme, nous sommes déjà en route. Où êtes-vous exactement? Un placard, dans une fuite au cinquième. Quel côté? Je ne sais pas. Il y a un panneau, résidence, sur le toit du bâtiment d'en face. Venez vite. D'accord, raccrochez et ne bougez pas. On vient vous chercher. Ils n'ont pas encore Alena. Avant de tirer, identifiez les cibles. Ça va être du beau encore ça. Une embuscade! Il faut qu'on foute le camp d'ici tout de suite! Go, go! Allez au bâtiment! Metal 01, on a perdu le contact avec le commandement allemand. Comment ça se passe au sol? La colonne de chars est HS et on se fait pilonner! La zone est perdue! On dit qu'il y a une sacrée merde là. Ok. Encore, je sais pas trop vers pourquoi ça tire. Tu fais quoi comme arme en deuxième? Ok, un snipe, enfin. Bon, un snipe, mais un truc. C'est utile. Vu, il aura fait un petit vol. Je crois qu'il sera seul à descendre. Voilà. Go, go! Il y a un mec en face, non? Il a une sale gueule, lui. Caché derrière un petit bureau là. Et Alice qui traverse la ville comme ça d'un coup. Go, go! Vas-y hein, moi je vous suis. Je sais pas si ça traverse si je tire à travers. Je pense que ça doit pas être solide. Ok. Là on est dans le bâtiment de la fille là, si je comprends bien. L'escalier. Y'a rien là. Elle. Sécurisez la zone. C'est la merde un peu en Berlin là. Voilà, on va se calmer, on va rester un peu là. Allez, allez, voilà. Ici Metal 01, toi sécurisé. Granit, le feu vert. Ça va, tranquille. Frost, en position de tir. Voilà. Granit 01, on est en position. Bien reçu 01, je transmets. MJ sur le toit. Ça perd pas mal de patience. Il y a combien là encore? C'est bon? Surveillance établie. Bien sûr, on arrive. Cible en vue dans le ZA, missile lancé.
Voilà, la prochaine fois tu me nettoies comme ça avant que je fasse quelque chose de bien. L'équipe Granit est dans la zone. On se fait tirer dessus. Granit a de la compagnie. La porte sur la gauche. Faut les couvrir. Putain, j'ai pas réussi à les niquer. C'est bon Granit, continuez. Voilà, il faut faire le taf eux-mêmes quand même. Se fait tirer dessus par des chars russes. Demandons soutien immédiat. Couloir aérien dégagé. Les A10 peuvent commencer le mitraillage. Metal 01, ici Valkyrie 2-6 à votre service. Je suis dans le secteur. J'attends que vous marquiez la première cible. Alors, hop. Détruis le char. Voilà, voilà, c'est bon. J'arrive. Oh, il a pas réussi à l'avoir l'autre. Attendez, on fait demi-tour. Ah, merci. Métal 01, je suis en position. Contact. Visible là. J'ai pas d'arme. On s'en charge maintenant. Blindé détruit, Granit, la voie est libre. Bien reçu, merci de votre aide. On va voir là. Surveillez le bâtiment, on rentre. Icorus, ça non? Granit, vous avez repéré Alena? Affirmatif. Merde, à gauche, y'en a deux autres, dégâts. Granit, Granit. Ils sont morts. Qu'est-ce qui se passe? Overlord, Granit s'est fait avoir. Je répète, l'aigle est mort. On va récupérer Alena. Affirmative, Sandman. Rejoignez la colonne de chars allemands au sud et continuez vers le bâtiment cible. À vous. Bien reçu. Terminé. Oh, relève-toi. Bien, Frost. Voilà. Faut qu'on descende dans la rue. Putain, il veut pas se lever, mon personnage, c'est horrible. Yep, une petite descente en rappel. Rendre ça plus épique, faut un avion qui fait tout péter, des explosions partout. Ah, Nico, quel. On a des morts ici. Récupérez leurs plaques et faites venir une équipe d'évacuation. Ok. Quoi, c'est dire l'équipe américaine. Une colonne de char. Les Russes tirent sur le pont. Vous devez le neutraliser tout de suite. Ouais, vachement là. Touché. Allez, en avant. Attends. D'accord. Je recule un peu moi, les grenades, hein. Je suis pas trop fan, tu vois. Aïe, 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 aïe. Sandman, tu peux protéger un peu au lieu de reprendre des balles. Char, ça va être bon. Je vais monter ce qu'il y a là-haut là. C'est peut-être des surprises là. Non, y'a rien du tout. Rien du tout. Ok, faut récupérer les chars. C'est bon, on avance. On reste pas les chars jusqu'à ce qu'on atteigne l'hôtel. C'est même pratique les chars. Ouais, sauf quand tu meurs. Les guerres, c'est la peur vêtue du courage. Ouais. Je pense. On reste près des chars jusqu'à ce qu'on atteigne l'hôtel. Ouais, je vais rester assez loin quand même. Je vais laisser ouvrir le chemin. Ah, c'est clair par là, je laisse par là. On suit les chars, ils nous serviront de couverture. Ça sort de partout. Attends mais. Ah merde putain ça. Je croyais que c'était un allié qui revenait sur moi.
là-bas. La récupérer. Là. De toute façon, je les aurais pas tous, hein, je les ai pas sous speed. Là. Meurs, par contre, tu fais chier, toi. On y est presque, allez, plus vite. Vol. What the fuck? Tu fais tu en plein saut, quoi, là? Ah, j'adore les bugs. Y'a rien de mieux qu'un bon bug. Là. Il est bien placé, hein. Il se replie, ne les lâchez pas. Allez, hop, faut suivre les chars, faut suivre les chars. Je vais bloquer, j'ai une botte. J'utilise beaucoup de munitions pour pas grand chose, en fait. Hein. Tu vas te faire tirer dessus. Un bâtiment nous est tombé dessus. Sandman, nous conseillons un repli immédiat au point d'extraction. Les trucs, on y va. Négatif, Overlord. On va chercher la fille. Ouais, juste devant moi, il passait pas par là, là. J'ai cru. Piéger le bâtiment, il explose à la porte des chars. Putain, quelle mission de merde. Viens, on est sur le flanc. Oh, un panneau 560. Bon, on n'est pas très très de droit là. Hein. Mais... Je sens que tout ça va nous tomber sur la gueule. Tais-toi. Mais non, tiens, il y a un char là. C'est de faire drôle quand t'es dans le char et qu'il y a ça qui tombe sur la gueule. Va bien. Il y a une porte par ici. Je la vois. Voilà l'hôtel. On fasse un petit changement d'immeuble. Allez, hop, on avance. Cible. Des nouvelles de la fille. Il l'emmène au troisième étage pour extraction. Vous n'avez plus de temps. On va la perdre. Venez. Montez sur le toit. Okay, bon, on est bon. On est mis par là, ça. Non. Aïe. Qu'est-ce que c'est qui est dehors là? D'accord, il y a un char. J'arrive. Il faut pas qu'on s'arrête, d'accord. L'escalier. Vous aurez tiré un coup de char directement dedans, ça aurait été bon pour eux. Sont en train d'évacuer la fille. Vous devriez vous replier et rejoindre une autre Zeta. Non, oui. On va la sauver. Pas le truc que je voulais faire au début, mais bon. Allez, viens là, elle est juste derrière. Frost, ouvre la porte. Putain, c'est à moi de l'ouvrir alors que c'est toi que j'attends. Attends, on va perdre Sandman. On a perdu Sandman, non? Non, ça, on n'a pas eu.
Ils ont réussi à filer. On l'a perdu. C'est con ça. Putain, les deux ensemble. Bryce, on a perdu la fille. L'hélico l'aurait emmenée dans une mine de diamants en Sibérie. On va avoir une seule chance d'arrêter le président avant qu'il donne les codes de lancement et que Makarov vitrifie l'Europe. Dès qu'on posera les pieds au sol, ça va s'exciter grave en bas. J'espère que vous suivrez, l'ancien. Je sais que les Yankees aiment briller. Alors Yuri et moi, on se chargera des voisins pendant que vous libérerez les otages. Ok, allez-y mollo, les gars. On ne veut pas tuer l'otage. C'est quoi l'objectif, chef? Ce sont tous des ennemis. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est logique, ça, c'est sûr. Hop, sauf que nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Bye bye.